La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées. Nous serons plongés dans la musique aujourd'hui et très basés sur ce style que plusieurs personnes n'ont pas vraiment l'habitude de prêter attention, c'est ce style urbain gospel. Je sais qu'à la maison, tu t'es encore dit, Magdala, comment tu peux m'amener encore ces histoires des urbain gospel? Oui, tu ne sais pas que ça existe. Donc, tel que tu es là à la maison, tu ne sais pas que ça existe. Ah bah oui, ça existe. Et je le ferai avec une personne très spéciale pour nous. Et c'est une personne qui revient encore sur ses numéros de Moda. Il m'avait promis de revenir. Et voilà, il est là, il est de retour. C'est le pasteur Péniel que certaines personnes connaissent déjà, mais d'autres personnes, des personnes à qui viennent à peine de connaître cette émission ne leur connaissent pas. Alors, je vous dirais d'être très attentifs avec nous parce qu'il y aura tellement de bonnes choses, beaucoup de choses qui seront au programme aujourd'hui. Restez branchés, car Moda vient de débuter. Et je vous dis bonsoir. Papa banaye, zambalola yuka, salelangaye, ikamwana mona, kuboko na yo esimba, akila na yo ekangola, na libulu yabakosi, bibisanga na longaye, ozanzambe nangaye, ozanzambe nangaye, ozanzambe nangaye. Samara Nata, Ogilie Roba, Fomola Lola, Kemba, Santu Bayon Baye, Tikana Nakumisa, Tikana Nakumba, Emika Yavina, Ah, on a dû arrêter. Mais est-ce que vous étiez entré dans cette ambiance avec moi? Est-ce que quelqu'un était branché avec moi pour suivre cette belle chanson? Ah, excusez-moi, moi je ne sais pas chanter, hein. Mais on dit. Parce qu'il faut m'aider, hein, faut m'aider avec moi. J'ai envie de chanter, ouais. Mais ça complique. Fais d'abord ce truc-là, c'est quoi? Ozanzambe nangae. Yeah. Ozanzambe nangae. Ok. Ozanzambe nangae. Ozanzambe nangae. Mon pèsi na nyonso, mon pèsi bilaka, mon famboli bato, tomboli bato. C'est tellement magnifique, je vous avais promis qu'il y aura
des très bonnes choses aujourd'hui. Laissez-moi vous dire encore bonsoir et bienvenue dans ces numéros de Moda. Le plaisir est tellement partagé de passer ces moments avec vous. Aujourd'hui, nous serons basés dans la musique et dans ces styles urbains gospel, parce que dans Moda, c'est d'abord Dieu avant tout. Voilà pourquoi on a commencé avec le Seigneur. On s'est dit, c'est grâce à lui que nous sommes en vie, c'est grâce à lui que nous sommes appelés parmi le vivant et pourquoi pas le remercier. Alors, je serai accompagnée du pasteur Péniel, également avec son équipe. Je vais saluer. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. Et je suis avec le pasteur Péniel. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le pasteur Péniel. Vous demandez, Magala, depuis que tu nous parlais des pasteurs Péniel, il est réellement qui ? Il est réellement ce qu'il est. Voilà, il va se présenter et on va y connaître pour les personnes qui ne lui connaissent pas. Papa Péniel, il y a un peu où expliquer, un peu à comprendre. Depuis que nous n'avons pas qu'à la plateau, on ne comprend réellement pas de quoi il s'agit. Ou expliquer, Baro, qui vous êtes. En tout cas, je m'appelle Peignet, mais comme je suis pasteur, je suis le responsable du ministère évangélique Exode. Je m'appelle pasteur Peignet Bongibo. Je suis pasteur berger. Je suis aussi chantre de l'Éternel. Le chantre de l'Éternel, et n'est pas n'importe quel chantre. Il fait la musique urbaine. Il y a des personnes qui ne connaissent pas c'est quoi la musique urbaine. Mais toi là, je t'explique. C'est quand on rassemble l'hip-hop, le zouk, plusieurs styles que vous connaissez américains, c'est par là qu'on peut parler du style urbain. Alors c'est ça la spécialité du pasteur Péniel. On se demande encore à la maison, mais pourquoi le pasteur ne s'est pas mis dans la peau de tous les pasteurs pour dire que il aura toujours baptisé pour un Saint-Esprit qui t'a. On parle en langue et tout, mais le pasteur s'est dit que moi je veux faire le style urbain. Papa Péniel, je mérite encore que vous puissiez dire aux téléspectateurs pourquoi vous êtes dans ce style. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous suivent pour la toute première fois, ils n'ont pas eu à suivre la première émission. Alors vous allez leur expliquer pourquoi vous êtes dans ce style urbain. Premièrement, nous sommes dans ce style parce qu'on se sent à l'aise. C'est un style, au fait, de la modernité actuelle. Et si nous regardons, nous avons aussi la cible. La cible, c'est la jeunesse et la cible, c'est le monde qui ne connaissent pas encore Christ. Au fait, si nous tous nous faisons la même chose, comment on peut atteindre aussi notre zone? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu être dans le monde urbain, gospel, pour atteindre tous les quatre coins du monde. Parce que la Bible dit, allez, vous serez mes témoins et vous me témoignerez partout dans les quatre coins du monde. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Péniel. Bon, je te parle maintenant, toi qui es à la maison. Parce qu'on ne retrouve pas chez le chrétien. Laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous tromper. Parce que nous pouvons maintenant retrouver tout le style dans la musique chrétienne. Le pasteur Péniel a l'habitude de le faire. Alors je te demanderai, au lieu que nous allons ouvrir ma soupe, au polluer ma toi, mieux vaut écouter les chansons du pasteur Péniel parce que tu vas te retrouver dans ton style urbain que tu as l'habitude d'écouter. Et je reviens encore sur Papa Péniel. Papa Péniel, j'étais en train de me demander, vous faites ces styles alors que Batoumi peut l'attaquer parce qu'il m'a dit. Balobi, ma style à moi apparemment est comme Yoko Kana, vraiment ma casse. Ça veut dire qu'on ne sait plus vraiment retrouver qui chrétienté n'a biso par rapport à ma style au mélanger. Ça veut dire moi parti mon roboyé, tout ça l'ongola et ongodo. Comme il aime ce robo, ta benan c'est beaucoup, ta benan, au lieu à bon la monte ma, à bon mon yima yima. Est-ce que benan yima pour ça style en c'est beaucoup, mon yima 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 yima. Nicolas est comme Makamouya, ma danseur, il faut ma bine dans ma clip. Ma danseur, ma bine dans ma clip, ma comme il faut mélanger. On ne sait plus voir, est-ce qu'il n'existe pas d'abord des danseurs là qui sont spécialement pour la musique gospel? Bazali a raté ma danseur, Wana. Non, Bazali, au fait, Madame Magdala. Oui. Bazali, seulement, nous ne pouvons pas
mélanger la chose de Dieu avec la chose de ce monde. C'est ce que nous avons l'habitude maintenant. Tout le monde a mon micolo et comme il est vraiment au top. On peut retrouver un danseur, habite peut-être la clip non comme profane. On le retrouve encore chez le chrétien. Et comme on tient moi confusion, moi, on a tout ébaté. Bah, danseur chrétien, bah, ça t'est. Donc, vous êtes seulement obligé de leur prendre pour la beauté du clip. Mais apparemment, la beauté du clip, ils ont même appelé, bah, pisso, bah, ils ont à la bino, ils ont même fait un cas de bisou, parce que de quoi, vous voyez, maïma. Toi, bah, sous tête, aux awapi. Exactement. Ok. Nakobando, fait, na, bah, danseur d'abord. Oui. Ils ont interdit tes danseurs, mon co bina, qui na clip en mokili. Aya ko bina na clip ya nzambe. Mais problème ezo dépendre, ce n'est pas les danseurs, mais c'est la danse. Voyez, c'est la danse. Pourquoi? Parce que l'autre fois, j'avais dit, nous avons trois sources d'inspiration. Il y a l'inspiration de l'homme lui-même, du diable et de Dieu. Il y a d'autres danses, c'est le diable qui a inspiré. Et il y a d'autres danses, c'est l'homme lui-même qui a créé sa danse. Mais nous avons aussi des danses, hein, les danses, au fait, modestie. Les danses des chrétiens. Au fait, un chrétien ne peut pas danser sans pudeur. Vous voyez, le problème, c'est la danse. Moi, je dirais qu'il y a un verset qui dit « Tout ce qui respire loue l'Éternel. » Mais ce n'est pas tout ce qui respire peut adorer l'Éternel. Jésus a bien dit à Jean 4, « L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. » Mais même un païen peut chanter pour Dieu. Mais ce n'est pas l'éthique de l'adoration. Donc voilà, moi je peux dire qu'un danseur peut venir danser, mais il ne peut pas danser la danse qu'il a dansée dans l'autre côté. Mais papa Péniel, moi je reviens toujours là. Je reviens toujours là parce que vous êtes dans ce style. Donc en tout cas, ma pénalelo et l'alélo en rayo. Alors, vous avez dit qu'on peut prendre les danseurs profanes. Bah, il peut copier, par exemple, la clip, na yo, vu que ça, là, nous peut bah, mais on dit aussi, l'esprit aussi compte. À outil qu'on a par exemple, à ça peut être utilisé, là-bas, esprit moussous. Et il vient avec son esprit, donc votre clip à vous, chrétien. Est-ce que vous êtes sûr? Au fait. Communication, on a, oh, y'a outil, n'a pas qu'on a. Oh, y'a pas mes amis, on a. Vous pensez vraiment que vous pouvez réussir avec ça? Ok, je vais être précis avec ça. Oui. Quand moi, pasteur Péniel, je zappe la télé, je vis un frère qui dansait dans une chanson de Ndombolo comme ça. Moi, je ne peux pas l'inviter. Si j'ai déjà vu sa figure dans une musique ou un concert d'un musicien profane qui dansait là-bas, je ne peux pas l'inviter. Mais un danseur à qui je ne connais pas son origine, en fait, je ne connais pas son état d'esprit, son état du cœur. Mais on m'a présenté, c'est un danseur. Et j'ai vu qu'il danse bien, ça correspond avec ce qu'on veut. Je crois qu'on peut l'inviter à danser, mais seulement on ne connaît pas, au fait, qui il est à son intérieur. Parce que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs, ce n'est que Dieu. Je donne l'exemple de l'église. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pendant les louanges, lorsqu'on chante et aussi danse. Mais comment détecter que celui-là, il est immonde, c'est un païen, mais il s'incarne, en fait, au sein de l'église. Donc, c'est Dieu seul qui peut juger. Mais seulement, si Dieu nous a fait grâce de connaître que ces danseurs, ils dansent dans les telles musiques du monde qui ne glorifie pas Dieu, qui est moi à qui je connais, je ne peux pas l'inviter dans notre chanson ou dans notre clip parce qu'il est danseur. Non, là, je ne peux pas le faire. Alors, pasteur, comment vous pouvez faire pour faire en sorte que Bisso va tout au la Davido, de quoi il s'amène à côté maté? Parce que ça arrive. Tu vois, par exemple, j'étais en train de suivre un Nazalanga, et puis un moment, paf, je zappe, je trouve aussi votre chanson. Je les trouve la même personne, et Aza souhaite pas la Bino. Ok. Je me dis, ah, donc, pasteur, il n'y a pas de nez, pour lui, il n'y a pas de nez, mais il n'y a pas de nez. Ok. Je me dis, ah, pasteur, pas de nez, il n'y a pas de nez, mais il n'y a pas de nez. En tout cas, du coup, je commence à comme on parle. Alors, comme apparemment, le pasteur aussi, à Zalaranaï, il y a une équipe, 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 sans le savoir. Du coup, on a poué ici, côté Malama. Okay. Alors, comment vous pouvez faire pour pallier à cette situation? Comment vous pouvez faire pour que Bissopé. Bon, erreur moqueuse à ma casse à biso ma chrétien, c'est la négligence. Okay. Nous négligeons certaines zones. C'est pour cela aujourd'hui, n'ayez vraiment qu'au marteler, qu'au insister que toko ki koko misanzambe,
kosale l'ensemble na ba culture nyonso. OK. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle tu verras il y a des gens qui disent que ah pasteur ndenya zobeta ba style gospel. Mais un pasteur américain, s'il vient ici au Bethléem, un pasteur canadien, un pasteur français. C'est pour cela, moi, je vais premièrement dans cet album Rédemption révolutionner aussi donc les cantiques gospel, mais dans l'urbain. Vous voyez. Donc la négligence c'est quoi? Pourquoi pas aussi un chrétien créer une équipe ou un groupe de danseurs? Vraiment. Pour que ces danseurs-là soient sollicités dans un clip, il y a un chrétien. Tellement, un chrétien est négligent. Biso Zarara, Lola, Tofandi, Tozela, Biso Yeswaya, Tomata. Et maintenant, le diable profite parce que lui, il n'a rien créé. Il fait que faire la contrefaçon, nous connaissons. Satan prend ce que Dieu a fait pour contrefacer. Mais nous, que Dieu nous a donné l'autorité, la domination, les créativités, nous sommes négligents. Il y a un moment où il y a tout ça, il y a un moment où il y a un repère, il dit, ah, pas ça, pasteur. Vous voyez. Mais demain, si je prends un frère, je ne connais pas si le frère est qui, parce qu'Abin aura bien tout tient dans le clip, on dira que, ah, frère, on a tout bien, on a dans la musique, on a. C'est parce que nous, les chrétiens, nous sommes négligents. Mais ce qui est l'autre, c'est quoi le nom? L'agence. Hein? Les agences de danse chrétiens, donc, particulièrement chrétiens. Et ça, la biseau bien. Toko maso ko solliciter kaka ba danseur na biso ba chrétien, ça nous mettra encore plus à l'aise. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pasteur. Laisse-moi aussi te dire, toi aussi à la maison, tu sais danser. Au lieu d'aller dire, oh tu vois le pasteur a fait ceci, a fait cela, c'est mieux aussi de dire, bah vu que je danse aussi pour le Seigneur, je me dis que bah, je peux aussi créer mon agence de danseurs chrétiens. Ça ne dérange pas, ça va permettre à ce qu'on puisse tout bim, ah tu vois, j'avais vu le pasteur un tel, au lieu de faire ça, je me dirais, c'est bien aussi de trouver des solutions par rapport à ça. Moi, je suis pasteur. Je suis à la page des côtés. Toi, tu connais. Tu peux aussi leur aider. Tu peux aussi dire, oui, que vous proposez, pasteur. Bon, mon ima, il y a la bine à Kalama, mais je suis toujours dans le gospel. Alors, moi, je vous propose ici pour vos clips. Je vais faire ça. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'aider. Ce n'est pas seulement pour l'oba. Ce n'est pas pour des bons chrétiens. Voilà, on va passer cette étape. Merci, pasteur, pour les explications. En tout cas, moi, j'étais très perdue. Hein. J'étais perdue. Tel que j'étais venue comme ça en cours de où je me disais, pasteur, le four, on a toutes les questions, on a pas trop, c'est trop. OK. Voilà. Alors, je reviens à vous. Je reviens à ce que vous faites comme travail. Vous avez parlé de la boucle rédemption. Oui. Pendant que vous êtes en train de parler, c'est quoi cet album? D'où vient cette inspiration? La rédemption vient par rapport au temps actuel. Dieu nous a inspiré cet album par rapport à la réalité actuelle, ecclésiastique. Je suis dans l'église, ecclésiastique. Nous remarquons dans, au sein de l'église, il y a trop de l'apostasie. C'est-à-dire qu'il y a trop de rétrogradations. Il y a même des chrétiens qui abandonnent la foi par rapport aux difficultés, par rapport à la conjoncture, la vie sociale. Donc, il y a des enfants de Dieu qui renoncent à la foi. C'est la raison, vous avez remarqué dans l'album La Rédemption, nous avons chaque titre avec chaque message. Nous avons témoignage que nous avons chanté. Et dans les témoignages, on a encouragé, fortifié, renforcé encore la foi. Balobi kutungana balakate, heureusement simba Jésus. Vous voyez? Donc ça veut dire, celui qui a Christ, il ne peut jamais échouer. Même si tu as traversé des atrocités, des déserts, des critiques, je ne sais pas moi, des calomnies. Mais sokozana Yesu, tu vaincras. Donc c'est pour encourager ceux qui ont la foi, continue avec la foi. Ceux qui espèrent par rapport à ce que Dieu t'a promis, par rapport à ce que tu as comme des talents, la capacité, persévère, continue, sois optimiste, pragmatique, continue avec Christ, nous vaincrons. C'est la raison, l'album Rédemption, ça parle de la réconciliation. Okay. La rédemption veut dire la réconciliation. Une relation qui était coupée doit maintenant être restaurée. Donc c'est la raison, on veut lancer ce message au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui ont abandonné la foi, qui ont des doutes par rapport
aux choses, donc des événements qui s'est passé au sein de l'Église, un pasteur, un chantre, ainsi de suite, et qui nous a encore donné ou créé en nous l'incrédulité, oui. Qu'ils reviennent en Christ et qu'ils reviennent en Dieu. Le Seigneur nous attend bras ouverts parce que le temps est mauvais. La Bible dit à Romains 12, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce qui se passe ici? Tu es en train de comprendre ça? Reviens à Dieu. Aie la foi. Alors je vous demanderai aussi de prendre le temps d'écouter cet album parce que c'est tellement riche et ça va, moi je crois que ça va vraiment te bénir et ça va encore fortifier ta foi. Pasteur Peignet, ça vous a pris combien de temps pour réaliser cet album? Ça m'a pris, pour réaliser l'album, l'album était sous un projet. Ok. Sous un projet qui a pris pratiquement 3 ans. Parce que j'ai fait plus de 12 ans, je m'étais éloigné du monde musical. Je m'étais vraiment éloigné parce que j'étais concentré pour les services sacerdotaux. Okay. Hein? Après, lorsque le Seigneur m'a dit, qu'as-tu? Les talents que tu as, je vais l'utiliser pour l'évangile. Je crois que ça fait 9 mois que l'album La Rédemption a été préparé par la composition et les studios, le travail du studio. Donc, je peux dire, ça fait 3 ans que vous avez eu cette initiative. Ouais. Et c'est cette année. Vous êtes en train de réaliser cela. Donc, cette année, l'album est déjà prêt. Tout à fait, c'est prêt, mais pas tous les clips. Okay. Jusque là, on a tourné quelques clips qui est déjà dans le poste télé. Je crois que nous sommes en train de se battre pour remonter encore la promotion. Et je crois que d'ici peu, on va continuer les secondes clips. Ok, donc vous êtes en train de comprendre, nous sommes dans cette émission de Mot d'Art aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la musique précisément dans le style urbain gospel qui est fait par le pasteur Peignet, le pasteur de l'église Exode. Alors, il a choisi de servir le Seigneur au travers ses styles parce qu'il a besoin de réveiller la jeunesse. C'est pour dire à la jeunesse que ce n'est pas, on ne trouve pas seulement de bonnes choses dans le profane. Même dans le Seigneur, on peut tout retrouver. Alors, je te parle, toi jeune, tu es en train de me suivre à la maison, laisse-moi te dire que le Seigneur est partout. Même dans le style urbain, le Seigneur est là. Alors, je te dirais, ce n'est plus le moment de suivre encore la musique profane pour dire que même des chansons pour danser, même à l'église, danser même dans des fêtes, il existe aussi des chansons pareilles. Alors, je te dis de prendre le temps de suivre vraiment cet album, ça va vraiment t'édifier. Mais avant ça, je vous donne encore l'autre goût. Le pasteur va encore nous faire une chanson. Le Lango. Lola oye kokango langaye, opesi bomo ina yo ponga na bikaye, molili yesinga kinga ponga na kufaye, mawana yo bimisinga katina kungaye, depuis que papa est mort c'est la souffrance, la famille nous regarde avec un silence, mawana yo le koti biso ne goulou soye, de luna yo le koti biso na foule, Jésus yo, Jésus yo, Nous sommes tous les deux. Oh Jésus,
J'avais pas que j'ai dansé bien comme ça. Moi j'aime quand on m'encourage, ma gueule okay. Bien chanter. Non, je t'encourage, je t'encourage. En tout cas. Nameka. Ok, ok. Oh Jésus, Jésus. Lola mona yo na mote mana. Eh Jésus, Jésus. Lola mona yo na mote mana. Ah, c'est bien. Oh Agneau, Agneau. Oh, le boko, Nazambe. Je sens, déjà des gens à la maison. Oh, Magdala, est-ce que Magdala aime bien ça? On doit l'envoyer l'argent. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sont des petites choses. Hein? Ce sont juste des petites choses. Donc, si vous voulez vraiment écouter comment est-ce que je chante, on a vu comme que vous avez déjà orgueil. Pardon. En tout cas, la chanson, c'est vraiment bonne. J'ai beaucoup aimé. Je suis même entrée dans le bain de chanter parce que c'était vraiment bien. Et je crois que ça t'a aussi édifié à la maison. Toi qui es en train de nous suivre, ce sont des telles chansons que nous devons avoir l'habitude de suivre. Yo, l'Ira va être moins brutal. Ben, c'est vraiment, ouais, boum, maman, rave. Non. Prends le temps d'écouter. Tu écoutes d'abord. Quelles sont les paroles? Qu'est-ce qu'on dit? On ne suit pas. Il y a un terme que vous avez toujours l'habitude d'utiliser. On ne suit pas la chanson dans le. Comment dirais-je? Le fond au contenu, comme ça. J'avais tous les trucs comme ça. On ne suit pas les subsistances. Voilà, les mots que j'ai cherché. Il faut plutôt les contenir. Voilà. Donc, toi, tu as seulement l'habitude d'écouter la mélodie. Mais le dit donc, ouais, ce n'est pas mal. Mais écoute aussi les paroles. Hein. Les paroles, c'est aussi très important parce que tu t'es dit, tu es dans une situation très compliquée. Mais au travers d'une chanson, tu t'es quand même fortifié, tu t'es édifié. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'écouter la chanson hein, au contenu. C'est très, très, très important. Papa Péniel, ouais. Nous sommes en train de chiter. Donc, il y a ma limbe pour clôturer. Mais je vous promets, on ne va pas finir comme ça. On doit aussi prendre une dernière dose. Une dernière dose nous attend. Mais avant cela, j'aimerais d'abord prendre quelques questions chez Papa Péniel. Déjà, comment est-ce que vous êtes en train d'évoluer avec votre équipe? On a évité le siège, c'est déjà. Je vous rappelle que nous sommes à l'église, hein, nous sommes à l'église de Pasteur Péniel, le ministère évangélique Exode. Donc, nous sommes là. Toi aussi, tu ne pars pas à l'église. Pourquoi? Oh non! Depuis Koutou, Naïba Église, c'est donc l'église Père Oyayango. Ministère évangélique, vous devez aussi venir prier avec le pasteur Exode. Je crois que le Seigneur va vous bénir. Alors, pasteur, j'étais en train de vous demander comment vous êtes en train d'évoluer avec votre équipe. Comment est-ce que vous évoluez? Vous avez le siège, soit si on veut vous trouver.
pouvez, on doit carrément venir seulement à l'église. Ok, on évolue, je crois que presque toute l'équipe sont là. Ils travaillent, on travaille. On est en train vraiment d'essayer de perfectionner l'album et la musique pour, si Dieu le veut, pour des productions aussi. En tout cas, par rapport à notre siège, le siège est toujours dans l'église, ministère évangélique Exode, qui se trouve à Barumbu, auprès des Founa, Barumbu Founa ici. Je crois que c'est par là que nous travaillons, c'est par là que nous sommes en train vraiment de se concentrer pour perfectionner notre album Rédemption. Et comment on peut faire pour vous retrouver? Vous avez des sites, de... Ouais. Je crois que nous sommes dans la chaîne YouTube. Si vous tapez Pasteur Peniel Bongibo, nous sommes aussi sur Facebook. Et je crois on va aussi donner les numéros de contact, si je peux donner les numéros de contact. Oui. Les numéros de contact, c'est les 081 00 44 301, 081 00 44 301. Je crois l'église se situe sur l'avenue militant numéro 62. Je crois c'est sur Barumbu Founa, juste en face à diagonale avec l'aérodrome Ndolo, avant l'arrêt triangle de la Founa. Ok, merci. Je crois que vous avez noté cela. Donc, si vous avez besoin de rencontrer le pasteur Peniel, vous avez besoin de soutenir son équipe. Donc, les numéros ont été donnés, également des sites de page que vous pouvez leur retrouver. Nous sommes en train de finir, mais on ne peut pas finir comme ça. Ça, au moins, vous le savez. On ne peut pas finir comme ça. Parce que pasteur Peniel ne peut pas nous échapper. Alors, on va prendre juste deux questions aujourd'hui. Pas trop. Aujourd'hui, on prend que deux questions, pasteur Peniel. Okay. Je crois que Magdala Bossa n'a raté. Je peux tout oublier, mais sauf ça, je ne peux pas oublier. Okay. Alors, le pasteur Peniel va nous parler à cœur ouvert pendant juste deux questions. On va savoir, est-ce que pasteur, ça vous est arrivé aussi à l'école d'amener les faux parents? Les faux parents? Ah, je m'a convoqué mes parents au Tali. Aïe! Via Obomanga, mère, écoutez, n'en parlons pas. On a créé comme tout le monde, on a aimé la classe. Bon, moi, ça m'était jamais arrivé. Hein. On vous a jamais convoqué les parents? Non, parce que j'ai étudié l'école, donc on connaissait très bien mes parents. Ok. Alors, on connaissait très bien la famille, donc j'avais pas eu le temps de. C'est un peu de frauder là. J'imagine. Tout à fait. Non, c'était compliqué. Moi, de telles écoles, je ne vais pas étudier. Pourquoi on peut connaître mes parents comme ça? Surtout si on a aussi. Ok. Ah, c'est compliqué. Voilà. Alors, la toute dernière question, c'est quoi votre comportement le plus dégoûtant? Il y a personne. Le comportement des pasteurs Peniel, en tout cas, il s'est fait le sang. Il s'est fait le sang. On sait que vous n'êtes pas parfait. Oui, mais je ne sais pas trop. Mais tout ce que je peux dire pour ne pas être trop conservateur par rapport à le bon témoignage, tout ça. Mm-hmm. Certains disent que je suis dire. Ok. Certains disent que je suis dire. Bon, moi, je vois cette dureté, c'est quand même bien pour l'avancée de l'œuvre de Dieu aussi. Mais ça dérange les autres. Non, ma dureté, ce n'est pas pour déranger les gens. Hein, je ne le fais pas dans une mauvaise éthique, au fait. Hein, mais seulement, moi, lorsque quelque chose me déplaît, je suis patient, je suis lent. J'ai fait ce que la Bible dit, Joël 2:13. Okay. La Bible dit, Dieu, il est lent en colère, riche à bonté. Je peux observer quelque chose, mais les jours où j'ai réagi, c'est pour sanctionner. Ok. Ouais. Voilà, ça, c'est le comportement. Vous êtes dur. Vous êtes dur envers les autres. Mais pour vous, c'est normal de l'être. Tout à fait. Les autres, c'est un comportement qu'on ne supporte pas. Ouais. Bon, qu'est-ce que moi, je peux dire si on ne peut que supporter le comportement du pasteur, parce que c'est pour lui, c'est une façon de recadrer les gens, c'est une façon de conscientiser les gens. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je m'aurais rappelé à nos téléspectateurs que c'était l'émission Moda, l'émission que vous avez l'habitude de suivre chaque soir, qui vous emmène dans ces mondes de l'art et de la mode. Aujourd'hui, on était dans la musique, on a parlé de la musique urbaine gospel congolais.
Alors, merci pour votre attention et je ferai toujours appel aux artistes de venir. Le plateau est pour vous. Comme vous avez constaté, nous pouvons aussi nous déplacer, venir là où vous êtes pour passer l'émission avec vous. Vous pouvez également venir dans notre plateau de Moda. Ça sera aussi une bonne chose. Donc, veuillez nous contacter à ce numéro. C'est au 85 91 084 85 90 71 084. C'est le numéro à laquelle vous pouvez nous joindre afin que nous puissions communiquer et programmer votre mission. Moi, je vous dis déjà au revoir, mais nous allons nous séparer avec une bonne musique du pasteur Peniel. Il a vaincu l'ennemi. Je suis avec l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu la coutume. Il a vaincu la coutume. Je suis avec la coutume. Il a vaincu la coutume. La victoire. La victoire. La victoire nous appartient. La victoire est enfin des vœux. Libération, libération nous appartient. Libération à la foi de Dieu. Jésus est Dieu le roi. Jésus est le roi de roi. Miracle. Le miracle nous appartient. Miracle, enfant de Dieu. Il a transporté ma croix. Il a transporté ma croix. Jésus a transporté ma croix. Il a transporté ma croix. Il a délivré mon âme. Il a délivré mon âme. Jésus a délivré mon âme. Il a délivré mon âme.